Salut tout le monde, c'est Ryzen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Donc, la suite de notre petit let's play qu'on n'avait pas continué d'ailleurs. Je vous ai posté les vidéos, je crois, un peu avant Noël ou même début janvier. Et depuis, je vous en ai pas remis parce que tout simplement, je n'avais pas retourné. Donc, on va aller faire la quête, la vision du roi sorcier. Donc, c'est une quête principale, il me semble. Hop, donc je suis content de vous retrouver sur la terre du milieu, les amis. Parce qu'il est juste excellent, ce jeu. Ah, il faut que je me rappelle les touches, hein. Je me rappelle les touches, les amis. Allez, on va le drainer celui-là. Maintenant, il combat pour moi. Voilà, bon. C'est parti. On attaque la quête, les amis. Parce que là, on est là pour faire la quête principale du jeu, pour faire l'histoire du jeu. Comme on a fini le 1, on va finir le 2. Comme ça, après, on sera à jour. Il n'y aura plus que le prochain qui sortira. S'il y a un prochain qui sortira. Attendez. Par contre, je vais juste me chercher à boire. Hop, me revoilà. Attendez, je rebranche le casque. Et oui, c'est tout un bazar de faire des vidéos, les potes. Donc, alors. Je bois un petit coup. Voilà, ça va là. Donc, attendez, je voulais regarder aussi mon personnage. Un point d'aptitude à débloquer. Ouais, parce qu'on peut acheter tous les trucs d'aptitude là, voilà. Alors, moi, je suis dans le déblocage de tout. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Amélioration, horde d'araignée. Trouver tous les souvenirs d'Arachne. Appeler un horde d'araignée en appuyant sur un. Les araignées disposent d'attaques empoisonnées. Ça peut être pratique, ça. Ah, il faut finir le jeu pour avoir accès à tout ça, d'accord. Alors, combat, prédateur à distance, spectre à dos de bête. Alors, un combat. Ouais, ça, je prends. Je peux pas le débloquer. Ah, mince. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué alors? Putain. Ça, on va le prendre. Allez. Hop. Cités. Voilà, par contre inventaire, il me semble que j'ai beaucoup d'armes légendaires, épiques. Ça c'est les légendaires. Est-ce que j'ai débloqué quelque chose de mieux? Non. Attends, comment on fait? Ah, détruire, voilà. Y. Voilà, comme ça on gagne de la thune. Parce que là j'ai quand même débloqué un arc épique qui est quand même super sympa. Bon, là j'ai une cape légendaire, donc il va falloir trouver mieux. Et voilà. Alors, tout ce qui est moins bien en général. Ouh, attendez, on a mieux là. Yes! Ouh, on a la rune du Nord. Le nouvel anneau. Ouais, je peux pas le détruire ça. En tout cas, on a la rune du Nord. Ouais, qui est carrément même beaucoup mieux. Et en épée, on a l'épée de guerre. 46. On va la prendre juste pour faire le défi de déverrouillage. Celle-là, elle est moins bien. Pourquoi je la garde? Moi, c'est une légendaire que j'ai. C'est beaucoup mieux. Détruire l'objet.
Voilà, destruction. Bam, voilà. Parce qu'on a des sous comme ça pour acheter plein de trucs. Bon, bref, allez, repartons. Donc, trouver la piste. Voilà. Suivez la piste deltarielle. Ok. C'est sûr que c'est un peu plus vite comme ça. Allez, 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 allez. Ah, là voilà, Eltariel, là. Chercher des Nazgûl, vous arrivez trop tard. Mais avant que je ne m'attaque, il parlait à un orc qui était différent. Il y a des vers par ici. Ils nous expliquent peut-être ce qui se passe. Alors, interroger des vers. Là, on doit dominer des furtivement des archers. Ah, déjà où c'est qu'ils sont? T'as entendu ça? Ce sale humain. Mais pourquoi ça? Alors. Dominer, ça veut pas dire frappe de l'onde mortelle. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi dominer, ça me les compte pas? Yes, il est avec nous maintenant. Voilà. Quel est l'objectif des élus? Protéger les Haïdir, ça a un rapport avec la pierre de vision, c'est tout ce que je sais. Ok. Oh, attendez, il y a une cape légendaire ici, là. Oh oui, il y a une cape, il y a une cape, il y a une cape. Je la veux, je la veux. Merde, elle est où? Elle est là. Putain, c'est des trucs que j'ai pas récupérés, ça. Ah, c'est cool que ça reste sur le en place. Voilà. Alors là, doit y avoir encore des trucs. Oh, ouais, trop bien ça. Merde. Attends, 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 attends. Voilà. Oui, parce que moi, je. Ah, oh, ouais, en fait, il y en a plein que j'ai tué que j'ai même pas ramassé en fait. Voilà.
On va monter, parce qu'il est là, le mec. Viens là, mon ami. Seuls les hurleurs le savent. Les élus tuent tous ceux qui approchent. Ouais, il est avec moi maintenant. Viens là, mon ami. Allez, un de plus. D'où est-ce qu'ils viennent? Les hurleurs les créent avec un genre de rituel. C'est gardé secret. Je sais pas où ils font ça. Tant que le roi sorcier aura le phalanctire, les tours détenues par les élus seront ses yeux. Alors, il faut les aveugler. On va récupérer ça, la gemme de vie, la thune. Et on va aller sur l'autre. Oh la gueule. Pour créer les élus, où se déroule? Personne le sait. Quand un capitaine est choisi, les hurleurs envoient un verre pour les dire où aller. Il faut informer le dernier, qu'est-ce que nous savons? Ça ne la concerne pas. Allez, hop, on repart là-bas. On va voir un peu où c'est qu'on doit aller. Ah ben voilà, on y est. Elle kiffe, hein. Défoncer des orques, c'est son kiff. Hein. Le roi sorcier se servait à Aïdir pour trouver l'anneau. Il donne plus de force au Palantir. Les orques élus les protègent. L'ennemi détient peut-être le Palantir, mais les Aïdir sont beaucoup plus vulnérables. Bien. Voilà dont leur plan. Il n'y a plus qu'à le contrecarrer. Mission terminée. Déjà ? Ok. Oh, talion niveau 18. Hein. Vendetta en ligne, non. Alors, quête disponible. Je sais pas trop où aller là. Ok, donc ça, il va falloir à mon avis que je fasse ça. Est-ce qu'on peut dézoomer? Ouais, bon, je vais regarder après ce qu'il faut que je fasse. Du coup, les potes. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode-là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je sais que c'est un épisode un peu court pour un épisode de Let's Play, mais on va essayer de faire comme ça une mission principale à la fois dans les prochains épisodes, quitte à ce que la série dure plus longtemps. Enfin, voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.